si vous voulez, moi je crois aussi, voyez, que le sacerdoce doit être visible. Il faut que l'on puisse. C'est pourquoi vous portez, si vous permettez, une soutane. Oui, la soutane, je la porte en vérité pour les 96% qui ne viennent pas à l'église. Parce que vous savez, toute cette foule qui est à l'extérieur, qui ne va pas dans les églises, comment voulez-vous qu'elle ait la chance de rencontrer un prêtre ? Il faut que dans les bars où je circule, sur ce grand boulevard où je descends tous les jours, il y ait la possibilité pour tout le monde de venir vers moi, de me parler, de me confier quelque chose de leur vie. Cette soutane, mais elle est capitale. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Et je pense, vous voyez, que nous devrions vraiment faire là un grand examen de conscience. Parce que nous sommes actuellement 15 000 prêtres en France, vous vous rendez compte? 9 000 sont actifs, je crois. Il y a aussi 40 000 religieuses. Je suis sûr que si tout le monde, par un décret qui tomberait du ciel, remettait sa soutane, prenait le voile, eh bien qu'est-ce qui se passerait? C'est que tous les jours, des personnes rencontreraient des serviteurs de Dieu. Et l'Église reprendrait sa place dans le champ social. Vous n'allez pas vous faire des amis en disant ça. Mais tant pis, moi je le dis pour le Seigneur et je le dis pour l'avenir du christianisme.